Bonjour à tous, c'est Julien pour Peuple Vert. On se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode de la Palette des Verts. On va analyser le match de lundi soir entre Niort et Saint-Étienne. Match capital dans la lutte pour le maintien entre deux mal classés, 18 et 20e avant le coup d'envoi. Niort n'avait plus perdu depuis 6 matchs. Nous, on cherchait un deuxième succès de rang. Alors tout de suite, on va regarder comment ça s'est passé. Et on part tout de suite avec le dispositif tactique des Niortais. Des Niortais qui se positionnent en 4-4-2. Comme à leur habitude depuis le retour du mondial, on sent que c'est un système qu'ils maîtrisent, qu'ils ont bien travaillé et qu'ils savent répéter en tout cas. Donc ils restent sur leur certitude. De notre côté, c'est également le système pour lequel on a opté, le système de la deuxième mi-temps face à Laval. On l'avait dit dans la précédente vidéo, c'est quelque chose qu'on a bien aimé et la relation notamment Charbonnier-Crasso était très intéressante. Donc on capitalise là-dessus. On a un milieu de terrain avec Cafaro, Mouefeke Bouchouari et Lobry. Mouefeke Bouchouari, la relation, elle est vraiment très intéressante à creuser, tout comme la charnière et la défense en général, cette défense à 4, Appia, Briançon, Sow, Petro. On est en train de trouver notre assise, je pense, avec ces 6 joueurs. Et vraiment, Mouefeke, dans ce milieu de terrain, il est resplendissant, il aura été très très bon, ça nous permet d'utiliser toutes ses qualités. Aussi bien dans l'agressivité à la récupération de ballon, mais aussi sa capacité à se retourner au milieu de terrain, à prendre les espaces et à casser les lignes. C'est très intéressant. Avec ballon, on se positionne un petit peu différemment, avec souvent un Bouchouari qui était beaucoup plus bas que Mouefeke, notamment en première mi-temps, où Mouefeke venait presque se positionner sur la ligne des milieux offensifs, là, comme ça. Et Bouchouari, lui, plutôt au niveau des latéraux, pour créer une ligne de soutien. Ça, c'était dans les phases offensives et au final, ça a été assez compliqué de se trouver au milieu de terrain parce qu'il y avait une grosse densité mise de la part des Niortais. Côté sans ballon, quelque chose qui m'a plu aussi et c'est là qu'on voit qu'on retrouve un petit peu de certitude, c'est qu'on a cherché à mettre un peu de pression sur le porteur de balle pour gêner la construction des Niortais. On ne s'est pas regroupé, on n'a pas été trop timide à ce niveau-là. On joue avec un bloc médian et on voit la volonté, là, c'est Crasso qui va presser le porteur de balle. Et à côté de ça, on a les joueurs qui restent quand même au contact de leur vis-à-vis, ici aussi, histoire de couper un petit peu les solutions de jeu court et de forcer l'adversaire à jouer long. Ça n'a pas toujours marché, mais ça a entraîné pas mal de récupérations de balles assez hautes. Et derrière, on découle des actions où on permet de chambouler un petit peu le bloc niortais qui était pour autant très bien en place. C'était également l'une de leurs volontés aux niortais de venir nous embêter assez haut. Et un peu dans le même type, pas trop d'agressivité, mais sur certains moments, ils savent sortir et faire mal. Là, par exemple, je crois que c'est Boutoba qui n'hésite pas à venir presser l'Arseneur. On voit que les solutions de jeu court sont bouchées, et derrière, l'Arseneur est obligé de jouer très long. C'est ce qu'il va faire. Et là, sur cette action, je crois que Charbonnier gagne le premier duel, mais on perd le deuxième ballon, et derrière, on est quelques secondes plus tard. Les Niortais réussissent à renverser le jeu sur leur numéro 15, Oletan, il me semble. Oletan qui a fait pas mal de dégâts sur la première mi-temps, notamment face à Petro. Les Niortais sont beaucoup passés côté droit et ça a été le danger principal, ce duo Oletan-Boutoba qui jouait sur ce côté. Là, le Niortais va prendre la frappe de loin qui sera vraiment pas dangereuse pour l'Arseneur, mais on voit quand même qu'il y avait des solutions de jeu sur la gauche et derrière même des espaces qui s'ouvraient pour l'ailier côté gauche. Donc ça a été assez dangereux de ce côté-là. Petro a souffert du duel avec Oletan sur la première mi-temps. Il a souffert vraiment de l'explosivité des démarrages de l'ailier. Et ça a été un petit peu les moments les plus compliqués, mais sinon on n'a pas été trop mis en danger. Une charnière centrale surtout. Et une assise enfin qui donne de la confiance et de la sérénité à notre jeu, donc c'est pas mal. Offensivement, pour le coup, ça a été beaucoup plus compliqué. On a souvent été dans de bonnes situations, mais on n'a pas fait les bons choix au bon moment pour se permettre de marquer. Là, par exemple, on profite de l'espace laissé entre les deux lignes qui est beaucoup trop grand. C'est le milieu devrait être sur Cafaro et c'est l'attaquant Niortais qui devrait mettre la pression sur le porteur de balle. C'est pas ce qu'ils font. Et au final, mince. Et au final, on a de l'espace et Mouefeke là va trouver une passe vers Cafaro. Derrière, ça donne quelque chose où Cafaro se projette. On a de l'espace qui est créé sur le côté droit.
mais Cafaro va prendre la frappe alors qu'il y avait Crasso et Appia qui pouvaient attaquer ce côté droit et qui auraient pu aller centrer, ça aurait pu être intéressant. Au final, la frappe de Cafaro, elle est trop lointaine et trop gentille, donc elle n'est pas dangereuse. Autre situation un peu similaire, cette fois-ci, le jeu penche côté droit, Appia rentre sur son pied gauche, comme il l'a souvent montré, et on voit notre ligne de 4 offensive qui est bien placée dans la surface, et surtout qui fixe l'entièreté de la défense niortaise. Et ça crée ce décalage à l'opposé. L'Aubry tout seul, il ne sera pas servi, Appia va prendre la frappe, mais cet espace à l'opposé, c'est quelque chose qu'on aurait dû beaucoup plus exploiter, parce que on avait, en fait, le bloc niortais était très flottant côté ballon, et au final, à l'opposé, il y avait toujours un espace phénoménal qu'on a très très rarement sollicité. C'est encore le cas là sur cette action juste avant la mi-temps. C'est l'Aubry qui a mené l'action, et qui du coup se retrouve dans l'axe, et Bouchouari compense pas l'appel comme il aurait dû le faire pour un ailier, et venir prendre ce second poteau, surtout qu'on voit que le gardien est vachement décalé. Et là c'est pareil, Appia qui va centrer, il centre second poteau, le centre est trop long dans tous les cas, mais il y avait vraiment personne alors qu'un espace encore une fois phénoménal. Donc c'est un petit peu ce qui résume notre première mi-temps, de l'ambition à la récupération, pareil pour Niort, mais des mauvais choix dans le dernier tiers, dans les derniers mètres, ce qui au final nous empêche de concrétiser nos occasions, tant et si bien qu'on puisse parler d'occasion, puisqu'au final les mauvais choix, ça nous emmène à ne pas se créer tant d'occasions que ça. On attaque donc la seconde mi-temps, et encore une fois, là en seconde mi-temps, pas grand chose, peu de changements. L'Aubry qui intervertit avec Cafaro, l'Aubry qui passe côté droit et Cafaro côté gauche. Je pense que la volonté de Batles, c'était d'avoir des ailiers qui rentrent intérieur sur leur bon pied. Et là, sur cette situation, on voit qu'il y a de la projection. Appia qui est encore rentré intérieur, Mouefek qui attaque l'espace, Charbonnier, Crasso qui vont attaquer entre les défenseurs. Et à l'opposé, on aperçoit Cafaro qui va faire le bon appel tout le long. Et là, l'Aubry, quelques secondes plus tard, il repique sur son pied gauche et l'espace, il est complètement ouvert pour Cafaro. Mais c'est encore une fois pas ce qu'on va faire. L'Aubry va jouer avec Crasso qui décroche. Et en soi, ça donne une bonne action. Je crois que c'est sur cette action que ça finit par débouler côté droit. Appia qui centre en retrait pour l'Aubry qui aurait pu, s'il reprenait en une touche de balle, marquer. Mais il rate son contrôle, il fait une touche de trop dans la surface et au final, ça fait une bonne occasion, mais qui ne donne pas de but. Et ça a été vraiment une répétition générale. C'est ce qui s'est passé tout le long du match. Les côtés opposés vides et nous qui faisons pas les bons choix au bon moment pour nous permettre de marquer. Et ça, c'est dangereux parce qu'on reste là à Saint-Etienne. Et là, sur cette situation, on est quelques minutes, 2 minutes plus tard. On est une action un peu banale. Touche pour Niort. 4 Niortais seulement dans la surface contre 9 Stéphanois. Et pourtant, on va perdre le premier duel ici de la tête et on va perdre le second ballon parce que Boutoba est tout seul. On voit les dieux de Niortais tout seul alors qu'on est à 9 contre 4 dans la surface. Ça doit jamais arriver. On n'a pas le droit de laisser des joueurs libres dans la surface à l'heure de jeu, alors qu'il y a 0-0. Enfin, dans tous les cas, on n'a pas le droit quand on est à 9 contre 4 dans la surface. Et sur ce genre de saut d'attention, on connaît la Saint-Etienne. Si on prend le but maintenant, je suis vraiment pas persuadé qu'on arrive à en mettre 2 derrière. Et attention, attention, attention. On arrive à la 70e minute. Là, l'entrée de Kader Bamba se fait ressentir. Il a déjà montré un petit peu l'étendue de sa palette technique en lançant notamment Charbonnier quelques minutes plus tôt dans la profondeur. Là on voit qu'il prend complètement cet espace et c'est Crasso qui est balle au pied qui va avoir la qualité pour servir Kader Bamba qui lui aussi aura la qualité pour contrôler, aller provoquer et au final ça se concrétise avec ça se finit avec un centre en retrait pour Bouchouari qui prend la frappe, donc c'est pas mal du tout. On arrive 85e minute de jeu. Là, on voit l'ambition des Niortais avec vraiment ces deux lignes de pression qui sont très très hautes et qui sont surtout pas assez bien organisées. On voit le bloc qui est complètement coupé en deux et Mouefek qui, dans les interlignes, fait très très mal. Là, il va pouvoir trouver une passe directement vers Crasso. Ça élimine 6 joueurs. Et derrière, on se retrouve dans cette situation avec Bamba côté gauche qui prend son couloir, l'Aubry également et Charbonnier qui vient ici fixer les défenseurs. Là, il va embarquer tout le monde. Crasso va éliminer son vis-à-vis, distribuer côté gauche à Kader Bamba,
qui, avec toute sa qualité technique, en 3 touches de balle pied droit, contrôle, s'oriente pour tirer et va toucher la barre avant que Charbonnier, plein de sang-froid, ne reprenne et ouvre le score. Ça nous permet de gagner ce match 1-0, match compliqué, mais match duquel on retient pas mal de bonnes choses, beaucoup de sérénité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on a fait un match où on s'affole pas, où on n'a pas réussi à marquer pendant 86 minutes, mais ça n'a jamais été la panique totale, et ça, c'est en grande partie dû à notre assise défensive qui est en train de s'imposer. Ça, c'est quelque chose qui a été très intéressant, ça a été la bonne couverture mutuelle entre nos défenseurs. Quand l'un montait pour mettre un impact, pour tenter une récupération haute, derrière, la ligne se reformait, soit avec Petro, soit avec Appia, qui descendait au niveau de Briançon ou de Sceaux, suivant celui qui était monté. Mais on avait toujours cette assise derrière et une certaine alchimie entre nos défenseurs qui est en train de se créer. Je pense que c'est précieux, je pense qu'il faut répéter ça et répéter cette composition, au moins défensivement sur les prochains matchs, pour qu'il y ait de plus en plus d'automatisme qui se crée à ce niveau-là. C'était très intéressant. Autre fait marquant, l'arrêt de l'Arseneur à la 82e. C'est déterminant, je pense, parce qu'ensuite, il y a un corner, Bamba remonte 50 mètres balle au pied, obtient un coup franc et ça donne même une occasion derrière. Donc, plein de petits détails comme ça qui sont très intéressants et qui, je pense, montrent qu'on va dans le bon sens. Maintenant, ça se joue à vraiment pas grand-chose. On a mis longtemps à trouver la solution parce qu'on a été longtemps dans le faux, tactiquement, je trouve. On a eu beaucoup d'imprécisions techniques qui, comme d'habitude, nous permettent pas d'avoir de grandes ambitions offensives. Mais je pense que ça se travaille. Cette victoire, elle nous offre un bol d'air. On est 18e, on n'est plus dernier. On a 15 jours pour préparer le match de Sochaux qui va être très important, qui sera un match complètement différent. Et voilà, on attend un beau match, on attend au moins ne pas perdre contre Sochaux pour continuer dans une bonne dynamique, continuer à prendre des points, c'est très important. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire des retours, on est encore en rodage, nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà, abonnez-vous pour ne pas rater les dernières vidéos, à bientôt sur Peuple Vert.